Yo les gens, yo, c'est Menos, vous êtes sur une nouvelle vidéo de ma chaîne, ça va être une courte vidéo. Alors je vous avais promis une vidéo matos en préparation sur Facebook, mais c'est pas tout à fait ce que j'avais prévu. Pareil, normalement j'ai deux colis, alors je ne sais pas si les deux colis sont dans le paquet, ou j'en ai oublié un chez ma mère, ou le deuxième n'est pas arrivé, je sais pas, là je viens de m'en rendre compte. Je viens juste de rentrer, d'aller récupérer le colis que je vais vous présenter. Alors c'est du pa c'est pardon, c'est du matos Commodore 64. Hein. On reste dans le thème que j'avais dit sur Facebook, mais c'était pas ça. Oui, il y en a qui me disent, mais je comprends pas, tu reçois pas ça chez toi. Non, tous les colis que je prends depuis maintenant plus de 5, 4 ans, 5 ans, 4 ans je crois, je fais venir ça directement chez ma maman parce que c'est là-bas que je peux les récupérer le midi. Et on n'est pas dans la même zone, en fait on habite à 4 km, j'habite à 4 km de chez ma maman, sauf que ben, je suis plus dans la même zone. Moi si j'ai un souci de colis par exemple, et eh ben faut que je refasse pas mal de kilomètres, enfin du chemin pour aller récupérer mon colis à Châtillon par exemple, hein. J'ai 5-6 km à faire, c'est pas énorme, hein. Et voilà. Alors que si le colis vient chez ma mère et qu'il n'y a personne, ben, le colis il est envoyé au magasin du village, donc beaucoup plus accessible pour moi étant donné que ma mère y travaille. Donc voilà pourquoi j'envoie mes colis, tous mes colis chez ma mère et rien à la maison. Quand je suis jamais là bah, le midi et que je travaille, il n'y a personne à la maison, je ne peux pas les réceptionner. Alors voilà, donc j'ai dû oublier un colis. Alors j'espère que là-dedans j'ai au moins les deux trucs que je veux, à moins que les colis soient dedans, je ne sais pas, on verra bien. Les deux colis sont peut-être dedans. Alors j'ai trois objets, les trois objets ont été achetés au même vendeur. Alors. Hop, on va essayer de faire un petit voilà, youhou, ouais, ça marche pour une fois. Alors on va ouvrir le blablabla, voilà, tac. Ah, j'ai au moins le truc principal en cas où si le deuxième colis les chez ma mère n'est pas arrivé encore, ce n'est pas bien grave. J'ai aperçu ce que je voulais au moins pour demain. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah mais non, les trois colis ont été mis dedans. Alors, comme ça s'est fait. Les trois objets, les trois colis ont été réunis par la poste. Donc, le premier truc que j'attendais, c'est tout simplement ça. Ça, c'est le truc principal que j'attendais. C'était carrément une nouvelle alimentation pour le C64. Voilà, et 128, hein, parce que j'ai mon AIM qui a dû cramer. J'ai cru que c'était le micro-ordinateur, mais non, non, c'était bien l'alim. Parce que quand je branche le deuxième alimentation, ma deuxième alim du deuxième C64, il fonctionne. Donc voilà, enfin j'ai mon alimentation. Je suis assez content. Donc on va le tester. Je vais pouvoir le tester. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai récupéré? Alors, paf, on va prendre tout simplement ça. Alors ça, c'est. Le carton est quand même pas mal. Ça c'est un petit gadget pour le C64. Alors non, c'est pas une carte flash, mais presque. C'est tout simplement le XU 1541 pour Commodore. Alors en fait, c'est pas pour le C64, hein, c'est tout simplement pour le PC et on branche. Le lecteur de disquette, hein, je me suis dit, tiens, on peut peut-être brancher un lecteur cassette pour Ami pour essayer de récupérer les données de Ami. Mais malheureusement, non. C'est juste pour disquette, hein, on le voit avec le. Voilà, il n'y a pas le port cassette. Oh, bon, bah, c'est tout, hein, c'est fort dommage. Donc, je récupère un câble et il y a aussi un CD. C'est pas mal, hein, un petit CD de données très certainement pour aller récupérer ça. Ouais, voilà, donc rien à dire. Donc en gros, à quoi ça sert? Bah, à dumper directement sur le PC les disquettes d'un lecteur de disquettes
Tout simplement à les dumper hein, ou à en les enregistrer directement. Voilà, bon, j'ai l'ultimate, vous allez me dire, mais ça sert à rien. Mais ouais, c'est vrai, sauf que quand j'ai acheté ça, je savais pas que j'allais prendre l'ultimate, encore une fois. Il y aura des tests, hein, on fera quelques tests directement. Je suppose que Jérémy, tu dois peut-être finalement utiliser ça, non? Ou alors tu utilises sur un C64, je sais pas si tu vois la vidéo, bah vas-y, hein, parle-en. Ça peut être assez sympathique. Et enfin, troisième et dernière petite chose que j'ai récupérée. Aïe, ça fait mal. Voilà. C'est tout simplement un dataset Unate techniquement neuf. J'en ai deux, mais il faut que je les répare. Enfin, il faut que je les répare. Il faut que ça passe en réparation. Ça sera Olivier qui s'en occupera la prochaine fois que je vais le voir. Je vais lui donner ça et il va regarder un peu ce que les trucs possèdent. Voilà. Voilà, donc je vais garder la boîte. Hein. On peut voir, j'ai tout l'emballage avec hop, le port. Hein, donc c'est assez sympathique. Bah c'est l'officiel hein, de toute façon, hein, je pense. Je suis pas si sûr que ça. Dataset. Ah non, si ça doit être de l'officiel. Avec le manuel. Voilà, donc je m'équipe en Commodore 64. Il me restera 2-3 trucs à acheter le mois prochain. Et je serai équipé comme je. Comme je le souhaiterais, en tout cas. Il n'y a pas d'effet qui se coule là-dedans. Non, il n'y a pas d'effet qui se coule. Aïe! Non, je déconne. Voilà. Hop là, je me remets sur mon visage. Donc voilà, c'est trois petits objets. Alors moi, le plus important, c'était l'alimentation. Je vais donc pouvoir tester l'alimentation, brancher le deuxième Commodore près de moi sur l'ordinateur. Et on va pouvoir streamer un peu du Commodore 64. À l'aise et ça c'est franchement ça va être super pour moi ça va être vraiment super 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 voilà oui j'ai tout ici je vous mets le lien du vendeur en description de la vidéo bon j'ai acheté ça sur eBay donc je vous mets le lien il y a des choses bon, que moi j'ai trouvé intéressantes d'autres non. Par exemple, un morceau de plastique pour protéger les ordinateurs à plus de 30 euros. Là, je pense que non. Faut peut-être pas déconner non plus. Sinon, bah oui, ils vendent 2-3 trucs assez sympathiques. Ce soit pour du Commodore, mais il n'y a pas que du Commodore. Hein. Voilà. C'était une petite vidéo déballing. Je vais pas avoir le temps de. Je vais pas avoir le temps de tester ce que je veux là parce que je dois partir. Mais en tout cas, bah, j'espère facilement vous faire des vidéos directement sur le Commodore 64 parce que moi ça me fait très plaisir. Vous présenter, je vais pouvoir, bon, du coup, si ça fonctionne, je vais pouvoir vous présenter un peu les tap cartes, les ultimates et la Kung Fu Flash. Et le SDI de ZIO, le truc que je suis en train de tester, que j'ai testé juste avant d'aller chercher le colis. C'est donc au programme de pouvoir vous faire tester ça en live. Alors peut-être que je vais faire un live si j'ai le temps tout de suite. On verra bien. Alors, en tout cas, voilà. Gros bisous à tout le monde. C'est du matos. On s'en fout du prix. Hein. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que on peut racheter des datasets gratuits. Je vous ai montré le plus important qu'il existe des alim. Ça, c'est encore. Il y a des aimes qui seront en fait et c'est surtout ce qui est, peut être cool, c'est donc le petit appareil à brancher sur le PC. On fera des tests. On passera tout ça aux banques tests. Comme d'habitude, je sais que vous aimez bien. Alors j'ai vu qu'on aimait bien les lives et quand je fais. J'ai fini des lives de faire des résumés de live quand je peux. Ça marche bien. Enfin, j'ai des bons retours là-dessus. Voilà, donc j'espère faire du live sur du matos et puis faire des bonnes vidéos après. Voilà. Gros bisous à tout le monde et portez-vous bien, bon week-end. Puis ça dépend de ce que vous regardez cette vidéo. Gros bisous.